Cher président, cher jury, cher contradicteur, cher public, au vu des sujets présentés aujourd'hui, un long dimanche de fiançailles, vaut-il mieux qu'une courte d'une noce? Vaut-il mieux être seul que mal accompagné? Ou encore le mien, mariage plus vieux, mariage heureux? J'en viens à me demander si les personnes qui en sont à l'origine ne font pas preuve d'une certaine forme de pathologie affective, ou du moins un début de dépression. Ceci dit, je vais tout de même traiter ce sujet pour essayer de les rassurer en leur montrant qu'un mariage plus vieux est un mariage heureux. Face à ce sujet, nul doute, nous sommes face à une amphibologie. Face au frontement de sourcils de certains, je vais devoir vous définir ce terme. Une amphibologie est donc une construction grammaticale qui permet à une phrase d'avoir deux sens différents et qui peut conduire à un raisonnement fallacieux. Oui, bon, fallacieux... Un mariage plus vieux est-il un mariage heureux? Aurait pu nous amener à se demander si se marier à un certain âge rend le mariage plus heureux, plus gai. Mais que nenni. Ce n'est pas sous cet angle que nous allons envisager les choses aujourd'hui. Avec mon contradicteur et les organisateurs, nous nous sommes mis d'accord, nous nous sommes entendus sur la façon dont il fallait traiter le sujet. Il serait étudié de manière à vous montrer ou non qu'un mariage plus vieux dans le sens de la longévité est un mariage heureux. C'est-à-dire si un mariage qui dure plus longtemps est un mariage heureux, qui reviendrait à dire qu'un mariage qui ne dure pas est un mariage malheureux. En ce jour pluvieux, j'ai écrit la plaidoirie hier, je suis heureux de vous démontrer qu'un mariage pluvieux est un mariage heureux. Le mariage court est au malheur ce que le fusil à pompe est à Oscar Pistorius. Ce fameux coureur de jupons qui aurait mieux fait de prendre ses jambes à son cou avant de connaître l'irréparable. Le mariage, de par sa longévité, constitue l'antagonisme du désir instinctif. Or, lutter contre ces désirs instinctifs, bestiaux, revient à s'en libérer, et donc à être heureux. Par conséquent, la longévité du mariage assure le bonheur aux époux. Dans un premier temps, je vais vous démontrer que l'homme marié lutte contre ses instincts, et dans un second temps, que cette lutte le mène au bonheur. L'homme lutte contre ses instincts. Les instincts relèvent du sabre. C'est ça? C'est-à-dire notre inconscient. Et c'est par cet instinct que le désir apparaît. Qu'est-ce que le désir, si ce n'est la matérialisation des instincts? Le désir est donc le corollaire de l'instinct. Par exemple, l'instinct de survie se manifeste par le désir de manger, le désir de boire, le désir de... Malheur à celui qui ne le sait pas encore, d'ailleurs. Et parmi ce désir, vous l'aurez compris, le désir sexuel est très présent. Or, rien dans la nature n'impose à l'homme de réprimer ce désir, si ce n'est le mariage. Mais attention, cela ne veut pas dire que le mariage menote les hommes, bien que quelquefois... Mais au contraire, qu'il les libère du coup de fouet du désir esclavagiste qui frappe encore et encore l'arrière-train des instincts de l'homme. Je m'explique. L'instinct de l'homme pousse à procréer le plus de fois possible et le plus rapidement possible pour certains, sans se limiter à un nombre restreint de partenaires. À l'instar des sultans du Moyen-Orient qui jadis se constituaient des harems sans barème. A contrario, le mariage, qu'il soit polygame ou monogame, consiste à se limiter à un nombre restreint de partenaires. Mais le mariage ne se résume pas au rapport sexuel, c'est aussi une communauté de vie, un engagement, une construction familiale, des projets pour l'avenir et parfois un contentieux pour un content suisse. Le fait de créer une communauté de vie, c'est réprimer ses instincts, car le vivre ensemble, c'est instaurer des règles dans le ménage, notamment pour savoir qui le fera. Terminez, messieurs, l'époque où pour changer de caleçon, vous vous fiez à votre odorat. Mesdames, terminez l'époque du canard vibrant et place au canard baissé. Après ce propos, vous avez certainement une vision pessimiste du mariage. Vous pensez que vous devez vous censurer. Mais vous oubliez qu'en contrepartie de toutes ces règles, vous êtes libéré de votre instinct. Or, être libéré de son instinct, c'est être en osmose avec le bonheur. Le mariage ne nous enchaîne pas.
Mais j'aime cette expression qui est de dire qu'être libre, c'est de choisir soi-même ses chaînes. C'est le second temps de mon raisonnement. En effet, l'instinct, les désirs, les besoins nous conduisent au malheur. Pour vous faire comprendre, rien de mieux que de vous injecter un peu du savoir d'Épicure. Tout d'abord, Épicure, qui a distingué entre les besoins vitaux et les besoins sociaux, les besoins principaux, les besoins primaires et les besoins secondaires. Donc, les besoins vitaux, comme leur nom l'indique, signifient que leur insatisfaction conduisent à la mort. En revanche, les besoins sociaux ne constituent pas une condition indispensable à la vie. Le droit des sûretés n'est pas une condition indispensable à la vie. À partir de cette dichotomie, il est aisé de comprendre que les besoins sociaux, il est aisé de comprendre que les besoins vitaux priment sur les besoins sociaux. La raison en est simple. C'est que les besoins sociaux sont insatiables. Généralement, la satisfaction d'un besoin social entraîne un nouveau besoin social. Et la société de consommation en est le meilleur exemple. Et cela enchaîne l'homme un cercle vicieux. De ce fait, l'homme ne sera jamais satisfait. Et pouvons-nous dire qu'un homme insatisfait est un homme heureux, à l'instar de William Scheller? Or, chercher à satisfaire inlassablement le désir sexuel, qui est un besoin social, je le rappelle, ce désir sexuel est un besoin social, car il ne constitue pas une position sine qua non de la vie. D'ailleurs, celle-ci, nous l'avons bien compris, nous conduit au malheur, car nous rattache un cercle vicieux. Sur la route de Madison, j'ai pensé à un autre exemple, le tonneau. Pas vous. Le tonneau, bien évidemment, je parle de la métaphore du tonneau, qui est au sein du Gorgias de Platon. Le tonneau représente le bonheur, et l'homme cherche à remplir ce bonheur avec de l'eau, qui représente dès lors la satisfaction. Or, Platon nous explique que chaque désir de l'homme, synonyme de besoin social précédemment défini par Épicure, est un trou percé dans ce tonneau. Ce qui signifie donc que ce tonneau ne pourra jamais être rempli. Ce qui amènera à voir, essayez d'imager, la satisfaction de l'homme s'écouler goutte à goutte comme des larmes par les trous du désir. Ce qui peut sembler paradoxal, car le but de tout contenant est d'avoir du contenu. Donc plus le mariage est long, moins le tonneau est percé. Ce qui revient à dire qu'un mariage plus vieux est un mariage heureux, et qu'un mariage court à sa perte. Madame la présidente, on ne notait pas. Madame la présidente, chers membres du jury, chers contradicteurs, bonjour. Ave public. Après. Pardon. Je suis stressé un petit peu là quand même. Je me lance. Une chance sur 17. Une seule chance sur 17 d'affronter cet homme. Maître Jedi de la rhétorique. Qui a même battu le Scrabble au jeu de mots. Après 3 jours d'insomnie, 2 Kinder Bueno et 1 verre de lait. Je décidais tout de même de consommer mon sujet. À l'écoute de votre plaidoirie, mon esprit de contradiction n'a pas tardé à prendre le dessus sur la personne douce. Très douce, agréable, séduisante, attirante, intelligente, puissante, charismatique, souple, brillante, sensée, magnifique, incroyable, surprenante, attachante, performante, immédiate, remarquable, modeste, où je suis. Rendant le besoin, que dis-je, le devoir d'intervenir, inéluctable. Je le dis fort, haut et fort, un mariage plus vieux n'est pas un mariage heureux. J'affirme même qu'il est loin de l'être. J'ai, afin d'appuyer mes propos, fait appel à un expert en mariage malheureux. J'ai nommé Papy. Papy ? Bon, ajoutons son prénom, ancien et démodé, faisant référence à un vieil empereur. Papy Constantin! Papy Constantin, tu peux entrer!
Mon grand-père est expert en matière de mariage malheureux. C'est qu'il est veuf. Veuf et heureux. Son mariage n'était qu'une longue descente aux enfers. Mais depuis la mort de mamie, il s'est lancé dans le hip-hop et n'a jamais été aussi heureux. Mais abordons d'abord les points qui vont vous prouver qu'un mariage pluvieux n'est pas un mariage heureux. Ne vous en faites pas, la liste est courte. Tout bon mariage raté, et ils le sont tous. Je débute par une cérémonie réussie. Si huitième péché capital il devait y avoir, il s'incarnerait dans le consentement. Les mariés sont pourtant prévenus. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Les liens ! Les liens ! Les... Pardon ? Les liens. Il est clairement précisé que les conjoints seront liés, enchaînés, entravés tout leur mariage durant. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est pourtant expliqué. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, aurait dû être remplacé par « Jusqu'à ce que la mort vous libère ». Certaines superstitions tentent de sauver la mise. Ainsi, vous vivrez un mariage heureux si vous croisez un éléphant le jour de votre mariage. Je vous laisse évaluer les probabilités que cela se produise. Le lancer de riz, censé porter bonheur, n'est en fait qu'un moyen pour les mariés de constituer un stock de nourriture pour les jours difficiles qui les attendent. Mais arrêtons-nous là, ne croyons pas aux superstitions. Ça porte malheur. Puis vient la nuit de noces, qui, avec l'alcool, la fatigue, la virginité potentielle de la femme, a autant de chances d'être satisfaisante qu'un muet a de chances de gagner ce concours. D'ailleurs, papy, comment s'est passée ta nuit de noces ? J'ai bien dormi. D'accord, mais je veux dire, avec mamie. Elle a bien dormi aussi. Merci, papy. Selon Silvio Pellico, aux courtes folies des noces succède l'ennui, exempte de toute liberté. Trois jours plus tard, le couple, déjà plongé dans un ennui profond, envisage pour faire passer le temps d'avoir un enfant. S'ensuit alors une panoplie de réjouissances. Le changement de couche, les hurlements, l'insomnie, ou encore l'envie, toujours grandissante, d'abandonner l'enfant à la décharge municipale la plus proche. Le temps s'écoule jusqu'à ce que le petit oiseau quitte le nid familial pour s'envoler vers ses rêves. Pour s'écraser en fac de droit. Qui dit mariage pluvieux dit vieillissement des conjoints. Le vieillissement a moins le mérite d'amener à la retraite. Cela dit, c'est le cas pour l'instant car ce mérite lui sera retiré quand l'âge de la retraite aurait été repoussé à 132 ans. La fin de l'activité professionnelle des deux conjoints, liée au fait qu'ils habitent au même endroit, donne lieu à un pesant face-à-face. Deux vieux schnocks, n'ayant plus rien à se dire, puisque se connaissant depuis une éternité, se retrouvent mangeant leur soupe au crouton, les yeux dans les yeux, les mains dans la gueule. Cette situation, sur le long terme, se terminerait par un meurtre si les distractions permettant aux conjoints de s'éviter n'existaient pas. Papy rendrait mamie moins étanche avec son opinel. Mamie doublerait malencontreusement la dose de médicaments ingurgités par papy. Mais ces distractions, quelles sont-elles ? Mamie, la retraite atteinte, se trouve une passion soudaine pour le jardinage. Son intérêt pour la méthode de repiquage d'un plant de poireau devient à ses yeux inversement proportionnel à l'affection qu'elle porte à son conjoint. Papy, de son côté, devient un réel expert de mots croisés et de sudoku. Découvrant la télévision aux heures creuses, il suit avec avidité Question pour un champion en aficionado de Julien Lepers. Malheureusement, ce vieux couple, pour maintenir l'illusion qu'un amour subsiste entre eux, doit continuer à communiquer, à faire des choses ensemble. Le couple partage le même lit. Lit qui a vieilli prématurément, les conjoints ayant eu des tas d'amants. La virilité envolée, le lit a perdu la moitié de son utilité. Ils ont aussi pour habitude d'aller faire leurs courses ensemble.
Ainsi, pour ces messieurs, les plus téméraires, qui décideraient d'accompagner madame à l'intérieur du magasin, gardez en tête qu'une femme faisant les courses, c'est incompréhensible. Comme l'humour de monsieur Fleury. Passons désormais aux problèmes de santé arrivant avec l'âge, qui sont aussi nombreux que les boutons à la puberté. Le sujet n'étant pas des plus joyeux, le poème semblait approprié pour le rendre un peu plus gai qu'il ne l'est. Quand l'arthrose guette mamie, la cirrhose guette papy. L'incontinence confère au couple une élégance à couper le souffle. La couche avant portée par l'enfant sied maintenant mieux à ses parents, qui ayant perdu leur sourire d'antan, abandonnent l'idée de croquer la vie à pleines dents. Leur mariage, hier plongé dans le malheur, est vite oublié quand arrive Alzheimer. Et quand enfin la mort, comme béni des dieux, libère l'un des conjoints pour des jours heureux, enfin le mariage, qui n'a que trop duré, peut être oublié, mort et enterré. Je terminerai cette plaidoirie sur cette citation de Jean-Yann. Le mariage a été institué à une époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans.